I'd spotted an ad in the local Michigan paper. Un Valium. Rien sur MTV. Pas mieux sur les autres chaînes. Banalité mondaine. Mais qu'est-ce que je vais foutre de ma journée? Docteur Jekyll élabore sa potion pour... m'envoyer en l'air avec mon ex. La flemme. Elle va encore vouloir que je lui paye le restant. Putain, pute de clope. Alors comme ça on glande, on se bourre la gueule, on dort, on boit, on divague, on se recouche. Et à ce que je vois, t'aimes bien son pain, hein? Non, je déconne. Tu as une clope? Sincèrement, tu fous rien de tes journées. Je sais pas, bouge-toi. Essaie de sortir de ta solitude, va rencontrer des gens. Tu m'écoutes quand je te parle? Si tu fais pas d'efforts, je peux vraiment pas t'aider. T'es condamné à l'inutilité. Jean, tu te rappelles le clodo qu'on a vu ce matin là? Bah j'ai trouvé un moyen de donner un sens à sa vie. On va le buter. Pourquoi un clodo? Bah c'est évident, enfin, quand tu connais la propension des gens sacraliser les victimes, là il sera super connu, il sera dans la une de tous les journaux, il y aura plein de gens qui iront voir sa tombe alors qu'il n'y a personne qui lui donnait des pièces. Non, moi je trouve ça bien quoi. Et puis au moins comme ça il mourra pas de froid. Et c'est quoi ton plan? Une tapette à souris avec une bouteille dedans. Voilà la tapette à souris. Non, 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 je te suis pas là-dessus. On va voir ça demain. Prépare-toi à la gloire, mon ami. Des chagrins grandiloquents de l'existence, une simple mais éternelle absence, l'inspiration ineffable d'un absurde soliloque. Le cœur candide fuit, il dort une bouteille à la main, et pleure déjà le combat de demain. Les songes deviennent rêves, l'esprit se calme le temps d'une trêve. On dort, plus rien ne se démontre, plus rien ne s'achète. Le réveil doit être éternel, ou ne doit pas être. Alors, on l'a fait? Oui, on l'a fait, je te condamne toi. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Qu'on se taille, c'est ça? J'aurais jamais dû faire tes conneries. Et bien sûr que si. Aujourd'hui, il est déjà au paradis. Il s'ennuie moins là-haut. Allez, t'inquiète pas. Ta gueule, connard!
Hein? Putain! Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi on a fait ça? Allez, espèce de malade! T'es givré! C'est toi qui es givré! T'es totalement con! Tu fais pas d'efforts, je peux rien faire pour toi! Sincèrement, tu fais rien de tes journées! C'est de te bouger! C'est de te sortir de ta solitude! Va voir des gens! Putain, encore un putain de mot et je t'explose ta gueule! Non? Je crois pas! On est condamné à l'inutilité.